premier réveil et mon Dieu, cette nuit, on se réveille avec mon papa et un tremblement de terre, mon Dieu, enfin 5.3 de magnitude, tout commence à bouger comme ça. Mon père, il se lève, il fait « Mets-toi sous la table, mets-toi sous la table !» Moi, j'avais pas mes lunettes. Et je disais « Mais je vois rien !» Du coup, voilà notre première nuit. Elle était assez mouvementée. Il n'y a pas de toit, enfin, y a un toit là, il n'y a pas de vie. Donc à tout moment, il y a un big animal qui peut survivre de n'importe où. Donc c'est pas très rassurant, mais à ce qui paraît, ils ne viennent pas là. Mais bon. Il est 4h30 et on est en la rivière. J'ai peur. Si vous avez suivi dans ma, je crois, FAQ ou dans ma vidéo où je fais les cookies, j'explique comme quoi j'ai peur des animaux et que je suis une trouillarde. Là, je peux vous dire que je surpasse mes peurs. Parce que c'est vraiment en plein milieu de la forêt amazonienne, je suis toute seule. Mais bon, ça me fait un peu peur. Vous laissez tout. Il fait 40 degrés, j'en peux plus. Bon bah, je me suis fait piquer par la plus grosse guêpe de l'Amazonie. J'ai trop mal. Et bah, je vais juste attendre. Je sais pas si on va bien. Vraiment, c'était tout enflé. Genre, je marchais avec des baskets, hein. Et ça m'a piqué à travers mon leggings. Et c'est comme si la douleur, elle est montée dans toute ma jambe. Bon bah, je pourrais dire que je me suis fait piquer par la plus grosse guêpe de l'Amazonie. Hier, on était à 3900 mètres et aujourd'hui à 2800. Du coup, il fait beaucoup plus froid, hein, on sent. Merci. Dans la communauté de Amaru. Communauté Amaru? Oui. Amaru 3800 mètres. So did it slower to find your man. On va manger du pachamanca. Ouais. Hide your hand. Cause you waited long enough. Hesitated over love. Now you're taking over us. Cause you waited long enough. Hesitated over love. Now you're taking over. En tout cas, 3650 mètres, je peux faire un petit, j'ai pas de problème avec ça. Cours parce qu'il comprend pas pourquoi l'altitude ne lui fait pas d'effet. Donc à tout moment, on le retrouve couché là-bas. Bon bah, update, il n'a pas fait long feu. Hein. C'est arrêté juste là. Pour reprendre ton souffle,
Oui. C'est plus difficile. Oui. Comment on dit un quechua? Quechua. Quechua. Bonjour, je m'appelle, c'est comment déjà? Ali Panchu, Asusi Timi, Anael. Et comment on dit en espagnol, je ne comprends pas ce que je dis. Yo no entiende. No entiendo, no comprendo. Yo no comprendo que dice moi. Je vais mettre ça en espagnol. Deuxième jour au Machu Picchu, on va marcher tout là-haut. Mètres d'altitude, mais c'est incroyable. T'es de bonne humeur, madame? Petit papa. To mess this up when I look at you.